L'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL aura changé la vie du clan Pélissard. Et si est-il dans une nouvelle émission que la grande famille va être une nouvelle fois visible sur nos écrans? En effet, Amandine Pélissard participe au programme Les Pélissards à Saint-Tropez. Tout l'été, les équipes de TF1 ont ainsi suivi la famille nombreuse la plus connue de France. Si est-il donc avec un peu de retard que les parents et enfants ont enfin pris des vacances? Mais voilà que rien ne cesse de passer comme prévu, ce qui est bien, si est-il qu'on va rentrer de vacances encore plus crevé qu'avant de partir. Ces vacances sont catastrophiques d'un point de vue capital sommeil, on ne va pas être épargné. Mais que les Pélissards se réjouissent, ils vont bientôt déménager à Marseille, la famille va déménager très prochainement après des semaines d'attente et de suspense, par rapport à la situation faite de haut et de bas. Nous déménageons d'Alès pour nous rendre dans la maison de nos rêves qui se situe dans le Var, on ne dira pas plus au niveau de la localisation précise, entre Marseille et Toulon. On se trouve dans une superbe station balnéaire avec une maison qui est la maison de nos rêves, pour notre famille et qui correspond à nos attentes. À 30 km de Marseille et de Toulon, à 500 mètres de la mer, tout ce qu'on peut rêver. C'était l'objectif de notre famille, et ça y est, on y arrive, on a réussi, s'est réjouie Amandine Pélissard. La famille Pélissard heureuse de déménager et la mère de famille a raconté tout ce qu'elle a fait en quelques jours, à l'approche de la rentrée, on va déménager début septembre, les enfants feront leur rentrée avec un peu de retard, le temps de tout mettre en place, les nouvelles inscriptions, les contrats de déménagement, le changement d'adresse. Une nouvelle aventure commence avec cette maison vraiment à la hauteur de nos espérances et même au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Si est-il un joli rêve qui se réalise et on est ravis, conclut-elle.